Nous abordons notre dernière série d'interventions et nous avons la chance d'avoir deux orateurs particulièrement qualifiés. Sylvie Berman est certainement l'une de nos ambassadrices les plus expérimentées et les plus qualifiées. Elle a été notamment ambassadeur à Moscou, ambassadeur à Pékin, et puis au Royaume-Uni, au COPS, où nous sommes rencontrés, et également, elle a travaillé aux Nations Unies. Et Philippe Trénard est un économiste distingué qui est à la fois au CNAM, mais aussi à la prestigieuse école d'économie de Toulouse. Nous ne pouvons pas, à ce stade du congrès, du colloque, reprendre toutes les questions qui ont été abordées. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se projeter vers l'avenir. Il est certain que les sanctions vont continuer de jouer un grand rôle dans les prochaines années, même plus, concernant l'évolution de l'ordre politique et économique international. Donc, au fond, j'aurais au départ trois questions, mais ensuite, on pourra ouvrir le débat. La première, c'est est-ce qu'on peut envisager de manière réaliste, politiquement, une levée de certaines sanctions contre la Russie en liaison avec un cessez-le-feu ou quelque chose de ce genre à la coréenne en Ukraine? Moi, personnellement, je ne le crois pas et je ne pense pas non plus que le Congrès américain se dessaisisse de ce qui est l'une de ses moyens de contrôle sur la politique extérieure, économique et politique des États-Unis, dans l'équilibre entre les deux branches du pouvoir. La deuxième question sur laquelle moi je m'interroge, c'est... Le rapport entre les sanctions, les dispositifs de sanctions contre la Russie et l'anticipation des sanctions, peut-être pas des, ça s'appellera peut-être pas des sanctions, mais des moyens de coercition. Oui. Les moyens que recherchent les États-Unis d'ores et déjà pour limiter la croissance, notamment technologique, de la Chine. Et puis enfin, je crois qu'il y a une troisième question qui a été présente pendant toutes les interventions, qui est celui, est-ce que les Occidentaux seront en mesure de récupérer les pays, disons, du Nouveau Sud? Voilà. Sylvie. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour cette invitation. Malheureusement, je suis arrivée en cours de matinée, donc je n'ai pas entendu les premières interventions, en particulier celle de Pierre Sellal. Mais je pense que le sujet est tout à fait opportun, parce que c'est effectivement un outil international. Alors, en fait, ce qui est prévu sur un plan légal, c'est soit vous ne faites rien, soit vous faites la guerre, et entre les deux, il y a les sanctions. Alors, est-ce que les sanctions fonctionnent? Bon, la question a été posée ce matin. Je ne vais pas nécessairement y revenir, sauf que en ce qui concerne la Chine, il y a eu 10 trains de sanctions de l'Union européenne. Effectivement, on ne pouvait pas ne pas rien faire, ce qui fait que c'est des sanctions qui sont plus symboliques, politiques que véritablement économiques, à une exception près, qui sont les sanctions concernant les semi-conducteurs et toutes les pièces détachées, ce qui en fait affecte directement l'effort de guerre russe, en particulier parce qu'ils sont obligés de cannibaliser les avions civils au profit d'avions militaires. Donc ça, ce sont des sanctions qui sont efficaces et qui vont droit au but. Les sanctions les moins efficaces, c'était contre les oligarques, parce que c'était une illusion totale et une méconnaissance de la Russie
du système de penser que les oligarques allaient aller voir Vladimir Poutine en lui disant, tu sais, ça nous embête un peu parce que on peut plus utiliser nos yachts ou on perd un peu nos l'argent qu'on a investi en particulier en Europe. Donc les oligarques, ils sont totalement dépendants de Vladimir Poutine, donc ils n'ont rien à lui dire, c'est lui qui leur dit. Et en plus, il y a eu un taux de, disons, de mortalité assez élevé récemment chez les oligarques. Donc, ils ne prennent pas ce risque-là. De même que les politiques, pour ceux qui ont vu le 21 février l'année dernière la rencontre de Vladimir Poutine avec son conseil de sécurité, avec des personnalités de très haut niveau, très compétentes, qui avaient l'air totalement interloquées, on comprend très bien qu'ils ne peuvent pas non plus démissionner. Et parmi eux, ben, l'une des meilleures, qui est une libérale, qui est très compétente, qui est Nabiullina, qui est la gouverneure de la Banque centrale et qui finalement a sauvé aussi la Russie. Parce que si l'économie russe ne s'est pas effondrée, si le rouble ne s'est pas effondré, c'est aussi grâce à elle. Jusque-là, elle avait 600 milliards de réserves, c'est-à-dire 3 années d'importation, et la Russie n'était absolument pas endettée. Donc, ça lui a permis de voir venir. Et puis, également, les sanctions, dans notre logique, c'était économique pour dissuader donc, Vladimir Poutine d'envahir et puis ensuite de retirer ses troupes. Il a pris une décision fondée sur sa propre idéologie, son propre désir de guerre à l'encontre de l'Ukraine. C'est pas le moment d'y revenir. Et donc, évidemment, les sanctions économiques ne le touchaient pas. Et en outre, Poutine n'a jamais été intéressé par l'économie. S'il l'avait été, il aurait utilisé ses réserves, en réalité, pour non seulement le bien-être de la population, mais pour, en fait, avoir une économie performante en dehors de l'économie liée à la rente pétrolière. Alors, il y a quand même une exception, c'est le secteur agroalimentaire qui a été développé considérablement grâce aux sanctions européennes à la suite de l'intervention en Crimée, enfin de l'annexion de la Crimée, parce que, en fait, comme les importations de produits frais en particulier ont été arrêtés, les Russes sont allés voir dans le monde entier ce qui se faisait de plus performant, et aujourd'hui, ben, on le voit, c'est un des premiers importateurs de blé, pas seulement de blé, ils ont augmenté aussi leur production de lait, de fromage, etc. Et puis, c'est parmi les premiers importateurs, sinon les premiers d'engrais, en tout cas. Donc là, les sanctions ont eu clairement un effet pervers, pas seulement pour nos exportateurs qui, du jour au lendemain, n'avaient plus rien, mais également parce qu'en Russie, ça a permis le développement d'un secteur très, très performant, exportateur. Et Poutine, d'ailleurs, a dit, après l'imposition de sanctions, c'est qu'il espérait précisément que ça aurait le même effet dans d'autres domaines de l'économie, puisqu'il ne pouvait plus bénéficier des importations occidentales. Alors, par ailleurs, ces importations, on l'a dit tout à l'heure, sont totalement contournées. Pour ceux qui sont à Moscou aujourd'hui, ils vous disent on ne se sent pas en guerre, on ne voit pas la différence. Il y a absolument tous les produits occidentaux qui arrivent ou par la Chine ou par la Turquie ou par la Géorgie, donc le Kazakhstan, etc. Donc il n'y a pas pour le moment de ce problème à ce niveau-là. Tout à l'heure, Elvire Fabry disait c'est un poison lent, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, ça finira par avoir un effet sur la Russie. Mais de toute façon, le pire pour la Russie, c'est l'effet réputationnel. Maintenant, est-ce que on peut en fait soit lever complètement les sanctions, soit décider de les assouplir? Alors d'abord, le cessez-le-feu, c'est pas une concession que ferait Vladimir Poutine puisqu'il occupe 16% du territoire ukrainien. Donc, à la limite, il pourrait consentir ça, mais ce n'est pas ce qui est recherché aujourd'hui. Et ce qui a été dit tout à l'heure par Jean Paganon sur la pérennisation des sanctions en Irak,
Poutine s'attend à une pérennisation des sanctions en Russie. Il ne croit pas du tout qu'elles puissent être levées, de même que pendant des années, on revotait tous les 6 mois l'imposition de sanctions à la suite de l'intervention en Ukraine, et on ne les a jamais levées. Donc, de toute façon, il ne s'attend pas à cela. Donc, aujourd'hui, les sanctions... Alors, autrefois, c'était des sanctions adoptées au Conseil de sécurité. Donc, là aussi, comme le disait Jean Paganon, des sanctions parfaitement légales. Aujourd'hui, c'est des sanctions unilatérales. Alors, il y a celles de l'Union européenne qui ont un aspect plus juridique parce qu'on les prend dans le cadre de l'Union. Puis vous avez les sanctions du Congrès américain avec punition à la clé si elles ne sont pas respectées. Et c'est là qu'effectivement, il y a des sanctions extraterritoriales qui peuvent viser les entreprises qui seraient tentées de commercer avec Moscou. Ça peut avoir un effet dissuasif. C'est un effet dissuasif vis-à-vis de la Chine, puisque la Chine, en tout cas jusqu'à présent, n'exporte pas d'armes létales en Russie. Mais, encore une fois, c'est plus moral, symbolique qu'économique. Alors, je sais qu'une fois, vous connaissez tous Pierre Conessa ici, il avait dit souvent, les sanctions, c'est pour apaiser la souffrance du téléspectateur français. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais en même temps, ça veut dire que c'est aussi une réponse, pas seulement aux Russes, mais aux interrogations des Français, des Européens, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait contre la Russie? Donc, pour que ce ne soit pas, effectivement, business as usual. Mais enfin, il faut garder ça en tête. Maintenant, ce qui est important, c'est la question qui est posée aussi, c'est par rapport à la Chine et puis par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. La Chine, moi je me souviens quand il y avait eu les massacres d'étudiants en Iran, j'étais encore directrice des Nations Unies, Organisation Internationale, et je leur avais demandé de, au moins, même s'ils ne voulaient pas voter la résolution, mais qu'au moins ils s'abstiennent. Et la réponse de mon homologue avec qui je m'entendais bien, directeur des Nations Unies chinois, c'est écoutez, non, parce que nous on a été victimes de sanctions, on sait ce que c'est, et on soutiendra toujours un pays qui est sous sanction. Donc ça explique aussi l'attitude aujourd'hui de la Chine par rapport à la Russie. Ça va au-delà de ça, bien évidemment, parce que l'ennemi déclaré des États-Unis, c'était pas la Russie, c'était un des ennemis, mais finalement, c'est une distraction au sens pascalien du terme. Ça a l'avantage d'affaiblir le principal partenaire de la Chine. Donc la Chine le sait très bien, donc son intérêt n'est surtout pas de lâcher Poutine. Et même si je pense qu'elle n'aime pas cette guerre et elle la regrette parce que ça affecte les relations économiques internationales, donc ce n'est pas du tout dans son intérêt. Par ailleurs, elle a une position claire sur le respect de l'intégrité et de la souveraineté territoriale. Et d'ailleurs, elle n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée et ne soutient pas la guerre. Mais en même temps, elle ne lâchera pas Poutine. Donc il ne faut pas trop se faire de l'illusion. C'est normal qu'on lui demande. Mais quand on passe un Conseil européen pendant 3 heures, je ne sais plus, c'était au printemps, à essayer de convaincre Xi Jinping, c'est un peu du temps perdu. Bon, le président qui sera à Pékin le 6 avril a dit c'est pour convaincre Xi Jinping de faire pression sur Poutine. C'est pas comme ça que ça se passe. Le plan 12 points est un rappel des principes parce qu'il y avait des pressions européennes en disant faites quelque chose. Donc ils ont fait, mais c'est pas un plan. C'est pas un plan parce qu'il ne traite pas de la principale question qui est la question territoriale. De même d'ailleurs que le plan de Zelensky n'est pas un plan de paix non plus puisqu'il dit bon, que les Russes partent. Si les Russes partent, tout est réglé. Donc c'est une relation qui est déterminante pour l'avenir et donc on se trouve face à un bloc qui est le bloc... Alors, occidental, qu'on a tendance à se qualifier abusivement de communauté internationale alors qu'on est minoritaire, quand on ne s'appelle pas le monde civilisé, le monde libre, ce qui est quand même très insultant pour le reste du monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Et ça va être très, très, très difficile de reconquérir, disons, les cœurs et les esprits. Parce qu'il y a un ressentiment très fort de ces pays-là. Il y a une rébellion du Global South. Il y avait un article en anglais sur ce sujet et qui correspond à une réalité. Et la France, en fait, le déplore d'abord en République centrafricaine, ensuite au Mali et puis au Burkina Faso. Et c'est un vrai ressentiment. Et si vous leur posez la question, ils disent on en a assez des pressions occidentales. On parlait d'impérialisme tout à l'heure, c'est comme ça que c'est ressenti. Ils évoquent le deux poids, deux mesures. Ils rappellent la guerre en Irak, ça l'a été longuement tout à l'heure par Jean Baganon, où il y a quand même eu là aussi des crimes de guerre, et puis c'était une guerre qui n'avait aucune légalité. Encore une fois, ça ne justifie pas bien évidemment la guerre d'invasion de Poutine, mais ils vous disent, quand ça se passe chez nous, ou quand c'est les Américains ou vous qui intervenez en Libye, avec des effets d'ailleurs désastreux, avec une contagion du terrorisme, là, ça ne vous intéresse pas, vous ne dites rien. Quand Blinken va voir la ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud pour contrer la politique de Lavrov, qui a fait énormément de missions dans la région, elle lui répond, ça suffit. On ne veut plus que vous nous dictiez nos positions. Et ça, c'est la majorité des pays de cette région. Et ils ne sont pas minoritaires. Et c'est un peu l'inverse. C'est pour ça qu'il y a eu des débats sur la désoccidentalisation du monde. Ça avait même été un sujet évoqué à Davos, ce qui prouve qu'il y a un vrai problème. Mais on a du mal à le concevoir, parce qu'on considère qu'on est dans le coin du bien et qu'on a raison. Et c'est vrai que par rapport à Poutine, on a raison. Mais... autre exemple, l'inculpation par la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que soit Poutine s'en va et le problème ne se pose pas, mais il peut rester encore pendant 12 ans. Et il va bien falloir à un moment traiter avec la Russie. On ne traite pas avec qui on veut. On traite avec celui qui est à la tête de l'État. Et donc c'est très compliqué. Et autre effet pervers, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais je pense que c'est prématuré. Et autre effet pervers, c'est que les pays justement du Global South ont commencé à dire qu'ils ne l'appliqueraient pas. Et donc, ça va affaiblir la Cour pénale internationale. C'est ce qui s'était passé au moment de l'inculpation de Béchir, quand c'était donc la Cour qui l'avait inculpé. Eh bien, tous les pays, en particulier l'Afrique du Sud, ont dit « on n'appliquera pas ». Pire que ça, plusieurs pays africains ont même dénoncé le statut de Rome. Donc il faut faire très attention quand on a l'impression que c'est un monde blanc. D'ailleurs, certains parlent de guerre des blancs, comme à l'époque Boutros Ghali disait que la guerre en Bosnie était une guerre des blancs. Et il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire ces termes Occident. Quand on va les voir, ça ne doit pas être uniquement pour obtenir un vote au Conseil de sécurité, ou à l'Assemblée générale, puisque le Conseil de sécurité est mort pour le moment. Ça doit être simplement pour établir des relations avec ces pays et en tenant compte de leurs intérêts, et pas uniquement dans une logique ukrainienne. Après, ça viendra de surcroît. Mais c'est une vraie problématique dont on commence à peine à prendre conscience. Non, nos partenaires, ça dépend lesquels. C'est-à-dire que je pense que certains en sont conscients. Mais pour le moment, pour certains, comme les partenaires de l'Est, parce que c'est là que la division va se retrouver, les pays baltes, la Pologne, leur priorité, c'est effectivement leur lutte, même ancestrale, contre la Russie. Et ça, on va le retrouver pas seulement dans les relations avec le Sud global, parce que certains s'y intéressent moins, hein, ils regardent à l'Est, pas tellement au Sud, mais ça va être dans nos relations avec la Chine, parce qu'à un moment donné, les Américains vont demander qu'on leur renvoie l'ascenseur et qu'on paie le prix du soutien qu'ils ont accordé à l'Ukraine, parce que c'est quand même 70 à 80% des armes qui sont financées par les Américains. Et comme leur ennemi, encore une fois, c'est la Chine, qu'ils veulent empêcher de se développer comme une puissance technologique, ils vont faire pression sur ces pays de l'Est, qui paradoxalement étaient les plus proches de la Chine,
parce qu'il y avait eu un forum qui s'appelait 17+1, puis 16+1 quand la Lituanie en est partie. Et ces pays avaient besoin de la Chine et avaient développé des politiques tout à fait favorables. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire leur atlantisme est renforcé et il est pratiquement évident qu'ils vont vouloir suivre les États-Unis. Et le résultat, c'est que ça sera la fin pour un temps de l'identité européenne, de la souveraineté, de l'autonomie de l'Europe. Surtout que là, on parle d'un pilier européen de l'OTAN. Moi, j'y crois pas parce qu'on sait très bien comment les Américains se comportent de l'OTAN et comment les Européens sont timorés dans l'OTAN alors qu'ils le sont moins dans un cadre européen. Donc, même si l'Europe a bien réagi dans un premier temps, y compris en fournissant des armes sur l'instrument de paix, il n'empêche qu'elle sera quand même à terme très affaiblie. On ne le voit pas parce que pour le moment, on est en pleine guerre. Donc, il y a cette unité de l'Europe, mais qui est probablement une fausse unité de l'Europe. Je vais peut-être arrêter là, mais je voudrais dire quand même quelque chose sur ce qui a été dit sur la défense des intérêts américains avec les sanctions économiques. Alors, effectivement, on devrait faire la même chose. Mais on est moins puissant qu'eux, c'est ça la réalité. Et que l'OFAC, bien évidemment, est très hégémonique. Quand j'étais en Russie, beaucoup d'entreprises françaises avaient eu interdiction par l'OFAC de conclure tel ou tel contrat. Et c'était avant la guerre. Eh bien, le contrat, c'est les Américains qui le remportaient. Et j'ai le souvenir aussi du forum économique de Saint-Pétersbourg, où en 2019, l'ambassadeur américain fait campagne auprès de la Chambre de commerce européenne, auprès de moi également, en disant « faut pas que vous y alliez au forum de Saint-Pétersbourg, qui est un moment de gloire pour, qui était un moment de gloire pour Poutine ». Je dis ça parce qu'après la guerre, il avait les talibans. Donc, et parce qu'il y a eu Macron, il y a eu Xi Jinping, il y a eu tout le monde. C'était vraiment un grand moment pour lui, une véritable vitrine. Et donc, il avait fait pression sur tout le monde pour ne pas y aller. Quelle était la délégation d'hommes d'affaires la plus importante ? La délégation américaine. Et ça, on l'a constaté très souvent. Donc, il nous parle de morale, de valeur, de sécurité, mais souvent, c'est effectivement la défense de leur intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, ça a été évoqué plusieurs fois, renforcer effectivement les outils de l'Union européenne. Mais à court terme, je ne suis pas optimiste. Je pense qu'à long terme, de toute façon, la construction européenne, puisque c'est le terme, se poursuivra. Et puis, ça dépendra aussi du résultat des élections américaines, parce que si on a un nouveau Trump ou assimilé, ça peut aider aussi à renforcer le souhait d'identité européenne et de la définition des intérêts européens fondés précisément sur des intérêts fondés sur les intérêts, mais enfin en tout cas une politique fondée véritablement sur nos intérêts économiques et géopolitiques. J'ai rempli le contrat en termes de temps. Peut-être, alors, l'économiste va sortir des conditions particulières, il aime bien remonter au général, surtout qu'il va utiliser des chiffres, des statistiques, par exemple, etc. Et un cas n'est jamais qu'un cas exceptionnel qui ne saurait confirmer la règle. Je voudrais dire cela. Je crois qu'effectivement, vous avez posé, Benoît, la question de la Chine. Ce que nous sommes en train de voir, c'est que la Russie, au fond, se soumet plus ou moins à la Chine et aux conditions de la Chine. Au début du conflit, on se demandait au fond quelle serait la réaction du petit Xi Jinping au grand Poutine. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est tout l'inverse. Il y a deux ou trois chiffres qui sont très notoires et Mme Fabry avait tout à fait raison d'insister sur ce point. Avant le conflit, 0% des réserves en renminbi sont détenues par la Russie. Voilà, c'est très simple, elle ne compte pas dans la détention de renminbi dans les réserves. Aujourd'hui, elle est juste derrière la Russie, juste derrière les États-Unis dans la détention de renminbi.
donc une position extrêmement puissante. Deuxièmement, avant le début du conflit, 4,5% environ des exportations russes étaient libellées en renminbi. Aujourd'hui, ce sont 35% des exportations russes qui sont libellées en renminbi, etc. Et je pourrais continuer. Là, on a l'impression que derrière ce qui se passe dans le rapprochement avec la Chine, qu'il y a deux aspects, je pense. Le premier, c'est que la Chine, comme vous l'avez dit, Madame Lambert-Adrie, c'est-à-dire qu'elle se dit, au fond, nous soutenons ceux qui sont sanctionnés parce qu'on le connaît, puis qu'on risque d'être la victime des sanctionnés. Donc, ce n'est pas la peine de se donner des verges pour se faire battre. Et donc, ça, quelque part, ça nous désigne un tout petit peu ce que va être l'avenir, je crois, cher Benoît, que vous y tenez. C'est-à-dire, au fond, il y a un côté répétition générale dans les sanctions actuelles de la Russie, un côté répétition générale de ce qu'elle pourrait être dans l'hypothèse d'une affaire chinoise ou de l'invasion de Taïwan par la Chine. Et on voit bien, à ce moment-là, d'ailleurs, les États-Unis, du côté étant au premier plan, du côté des sanctionnés. Alors, je crois qu'on peut aller aussi un tout petit peu plus loin et remonter un peu maintenant au général sur le problème des sanctions en général. Parce que quand on voit ce rapprochement, on peut se demander quel est le rôle des sanctions qui sont normalement destinées à défendre un ordre économique international et un ordre politique international, c'est-à-dire, au fond, un monde qui serait unifié, c'est-à-dire la mondialisation, une forme de la mondialisation sous le règne du droit. Et est-ce bien à cela que peuvent aboutir les sanctions? Alors, je crois que les sanctions, tout d'abord, c'est un peu, ne l'oublions jamais, c'est jamais que la guerre continuée par d'autres moyens. Et donc, les sanctions ont le même destin que les guerres. Et quand vous commencez à sanctionner, le destin de vos sanctions n'est pas plus assuré que les destins d'une guerre. Vous pourrez être victorieux, vous pourrez ne pas l'être. J'imagine que nombre, je ne sais si c'est d'entre nous, mais d'experts en mars 2022, donnaient probablement une semaine à 10 jours à l'Ukraine. La réalité a été radicalement différente de tout cela. Mais je crois que plus fondamentalement, les sanctions ont, comme la guerre d'ailleurs, tendance à détruire les conditions de leur propre succès, voire de leur légitimité. Regardons bien, quelles sont les conditions internes, politiques, de la réussite des sanctions économiques? Eh bien, on a bien vu un pays isolé, un pays qui se retrouve tout seul. Un pays non seulement isolé, mais qui a envie d'appartenir au concert des nations, d'être reconnu, ce qui a été le cas. On a les deux cas de la Rhodésie, pour moi, et de l'Afrique du Sud, qui ont été assez clairs. Des pays qui voulaient appartenir au bloc mondial, n'est-ce pas, et qui se retrouvaient tout seuls face à l'ensemble du monde. J'aime bien souvent, comme je viens de l'assurance et de la réassurance, on dit toujours un risque n'est assurable que si c'est la situation où « the many are contributing to the misfortune of the few ». Si c'est les fuse qui contribuent à la misfortune des ménis, oubliez-le, ça n'existe pas. On appellera risque ça, risque systémique, risque pandémique, risque cyber, c'est pas assurable. Et bien, pour les sanctions et la guerre, c'est la même chose. Tout fonctionne très bien politiquement quand c'est the many against the fuse. À ce moment-là, il n'y a pas trop de problèmes et les choses vont bien fonctionner. Mais la situation des pays que l'on sanctionne n'est pas du tout celle-ci. Ce sont des pays, surtout aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en rupture de ban avec ce que nous pourrions appeler le consensus international, le consensus des nations. Ce sont non seulement des pays qui sont en rupture de ban, mais ce sont des pays qui souhaitent rester en rupture de ban. Poutine n'a pas l'intention de devenir un démocrate et de se soumettre à des élections. Et Xi Jinping non plus. Et donc, à ce moment-là, quelque part, la volonté des sanctionnants de rétablir un ordre politique international par les sanctions
a beaucoup de dimensions illusoires. Alors peut-être nous aurons le temps de parler de l'effet, de revenir un tout petit peu sur l'efficacité des sanctions, et notamment on peut regarder par rapport à la Russie, parce qu'on commence à avoir quelques chiffres assez intéressants, on pourra y revenir. Et puis deuxièmement, on a aussi dans les sanctions, quand même, ne l'oublions pas, quelque chose que l'on avait et que l'on connaissait dans la théorie militaire, monsieur l'amiral, je crois que vous connaissez bien ça, c'est que le bombardement des arrières, ça n'a jamais été un succès dans les guerres, puisque ça, au fond, ça solidarise la population derrière le tyran, n'est-ce pas ? Parce que la population a le sentiment d'être agressée, et le tyran, à ce moment-là, peut développer un discours qui est assez relativement aisé en direction de la population civile. Alors ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, si je me tourne vers le plan économique, j'ai quelque chose d'un tout petit peu similaire. Quelles sont les conditions d'efficacité des sanctions économiques? C'est tout d'abord la dépendance du pays concerné à l'égard du reste du monde. S'il n'est pas dépendant, s'il s'est isolé, vous pourrez toujours le sanctionner, ça n'aura pas beaucoup de conséquences. Et cette dépendance, elle suppose une petite chose, c'est une économie a priori mondialisée. Si nous sommes dans une économie mondialisée, bien sûr, la Russie échange avec l'Europe, l'Europe échange avec, avec le monde, et tout cela est très sympathique d'ailleurs, puisque c'est ce que les théoriciens du XVIIIe siècle appelaient, avec, y compris Montesquieu, le doux commerce, le commerce qui au moins adoucit les mœurs. Maintenant, si nous regardons la situation effective, que va-t-il se passer lors des sanctions ? Eh bien, tout d'abord, lors des sanctions, vous avez un mécanisme que souvent on oublie, que ceux qui sanctionnent oublient, ça s'appelle l'équilibre général économique. L'équilibre général économique fait que toutes les variables dépendent les unes des autres. Et donc, si vous commencez à changer une variable, eh bien, vous allez changer toutes les autres variables, et donc tous les comportements s'adaptent pour minimiser le choc. Et alors, comment a-t-on minimisé le choc ? Il suffit de regarder ce qui s'est passé sur la Russie, et les chiffres sont vraiment là pour le démontrer. Premièrement, les prix changent, les prix, en l'occurrence, de l'énergie, et c'est comme ça qu'on a vu, certes, les volumes d'énergie exportés par les Russes ont chuté, mais en revanche, les valeurs ont augmenté. C'est quand même pas antipathique hein, comme situation. Et puis, le deuxième chose, c'est ce que les Anglo... c'est ce qu'on appelle la réallocation du commerce extérieur, on ne commerce plus avec les mêmes personnes, on va commercer différemment. Alors, bien évidemment, on se pose la question du contournement des sanctions. Il y a un très bon papier, d'ailleurs, publié par l'Université d'Harvard, n'est-ce pas, par un groupe de travail de l'Université d'Harvard, qui vous cite l'ensemble, l'empilage des mesures de contournement. Bien sûr, aucune n'est aisée, toutes ont un coût, mais elles ont un coût moindre que les sanctions. Bien évidemment, j'accumule les sociétés écrans, je passe par des systèmes de paiement qui sont alternatifs à SWIFT, je fais des échanges en nature, je fais des échanges en crypto-monnaie, j'utilise la plateforme, l'équivalent de SWIFT chinois, etc., etc. Puis je libelle ensuite plus souvent mes exportations et mes importations dans des monnaies qui ne sont pas celles du dollar. Et il y a beaucoup de candidats à faire cela en face, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas signé les sanctions, et puis il y a ceux qui ont signé les sanctions et qui jettent un voile pudique sur les pratiques locales en se disant que de toute façon, on n'y échappera pas. Et on y échappera. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une logique, là aussi, on voit une logique vers la constitution, à ce moment-là, de bloc. C'est qu'au fond, les sanctions mènent quelque part, un peu inéluctablement, indépendamment de la guerre, vers la constitution de sanctions, vers la constitution de solidarité, et elles y aident. Et donc, attention, les sanctions utilisées à dose raisonnable sont très efficaces, utilisées à dose beaucoup plus intensive, ne peuvent mener
qu'à la création de blocs. Alors ces blocs peuvent paraître à certains égards, je crois, un peu factices, un peu construits de toutes pièces, et pourtant ils vont nouer des solidarités qui éventuellement n'existaient pas auparavant. Et alors ce qui peut être bien pire, c'est qu'à ce moment-là, les sanctions peuvent commencer à changer un petit peu de nature. On avait auparavant, on pensait des sanctions pour rétablir l'ordre politique international, pour rétablir l'état de droit, etc., etc. Et peu à peu, la sanction va devenir un moyen de discipline à l'intérieur du bloc. C'est-à-dire, vous disciplinez le bloc et vous permettez aux marginaux, ou plutôt vous incitez les marginaux à revenir dans le troupeau. Et on voit bien qu'il y a une raison aussi pour cela, les sanctions, et pour les avoir pratiquées. Moi, j'ai eu une expérience absolument déplorable des sanctions sur l'Iran. C'est le jour où je me retrouve dans le bureau du régulateur américain, et c'était au moment de la renégociation de l'accord nucléaire, et le régulateur américain avait manifestement dit aux compagnies d'assurance américaines, vous pouvez y aller, commencer déjà à déblayer le terrain, et ils nous piquaient tous nos anciens clients. Donc on va voir le régulateur américain, et on lui dit, bon, écoutez, voilà ce qui se passe, vous nous autorisez donc, nous aussi, à y aller. Et alors, réponse du régulateur américain, très simple, écoutez, mes chers amis, nous ne pouvons rien vous dire, prenez vos risques, en tous les cas, si vous vous faites prendre, si vous vous trompez, vous serez très sévèrement sanctionné, et bien évidemment, vous ne pourrez plus exercer sur le marché américain qui constituait 40% de notre marché. Alors, oui, pardon, la question est celle de l'avenir des blocs monétaires et de la dédollarisation. Est-ce qu'au fond, ce que nous voyons va conduire à une baisse du dollar? Alors, je voudrais quand même juste, soyez prudents, n'interprétez ni la hausse du dollar, ni la baisse du dollar que vous observez au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois comme une traduction de la faiblesse politique ou de la force politique américaine. C'est tout simplement le jeu des taux d'intérêt et des écarts de taux d'intérêt dans le monde. Donc je crois qu'il faut être là-dessus extrêmement clair, plus la combinaison avec le prix de l'énergie. Pour moi, si je regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux, si je prends l'exemple d'aujourd'hui, j'assiste plutôt à un regain de puissance du dollar qui a d'ailleurs probablement en partie soutenu le dollar avec la hausse des taux d'intérêt, mais qui était imputable à de toute autre raison, n'est-ce pas, et qui était simplement imputable à l'avance des États-Unis dans le cycle conjoncturel. Mais clairement, le dollar s'en sort renforcé, et inversement, mon impression, c'est que l'euro s'en sort un peu affaibli. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que si vous essayez d'aller en Syrie ou dans d'autres pays sous sanctions et que vous arrivez avec des euros dans la poche, vos euros ne seront pas acceptés dans la plupart des cas, alors que les dollars seront acceptés. Donc même dans ces pays sanctionnés, le dollar reste la monnaie de référence. Et pour nous, elle va devenir la monnaie de référence naturellement, parce que quelque part dans la constitution des blocs, je crois qu'un bloc n'est pas un ensemble égalitaire. Et je crains que d'ailleurs, de ce point de vue, dans le débat qui a pu y avoir entre Huntington, Fukuyama et Carl Schmitt, c'est Carl Schmitt qui est en train de l'emporter, c'est-à-dire les grands ensembles régionaux ou les grands blocs sont toujours des blocs hiérarchisés. Et à la tête de ces blocs, il y a un pouvoir, n'est-ce pas? Et associé à ce pouvoir, il y a une monnaie. Et c'est ce que l'on observe actuellement avec les États-Unis qui se trouvent de fait renforcés. Et de fait, l'OTAN est très renforcée quand même par rapport à l'Europe. Et nous le ressentons dans tous les pays de l'Est où, par exemple, nous avons des affaires. Philippe Varin, ce matin, évoquait son travail sur les,
sur les métaux rares et sur les risques pour notre indépendance industrielle de l'embargo par certains pays. Et il est clair que l'industrie aéronautique européenne, et notamment française, dépend des importations absolument. Et est-ce que l'hypothèse de certaines contre-mesures des pays actuellement ciblés, à notre égard, est réaliste ? Alors, je crois qu'elle est, elle est réaliste parce que l'un de ces pays potentiellement ciblables dans le futur s'appelle la Chine, n'est-ce pas ? Énormément de métaux rares sont importés de Chine. Et donc, bien évidemment, avant de commencer à sanctionner la Chine, nous nous poserons la question de l'importation de ces métaux rares. Il y a une deuxième zone qui est quand même très importante pour l'importation de certains métaux rares, c'est l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, où opèrent les groupes Wagner. Et on voit de plus en plus, d'ailleurs, un conflit autour du contrôle des mines dans la région, puisque ces mines sont soit contrôlées dans des conditions normales, c'est de moins en moins le cas, soit contrôlées par des organismes djihadistes, d'ailleurs qui n'en prennent pas le contrôle total, mais qui font verser en quelque sorte une rente pour, si vous voulez, continuer à l'exploiter. Et on voit que les groupes Wagner sont eux-mêmes très intéressés par l'accès aux mines et à l'accès à ces métaux, à la fois parce qu'elles donnent à la Russie accès à certains des métaux qu'elle ne possède pas et qu'elle permettrait aussi de contrôler notre propre accès à ces métaux. Je pense, il y avait d'ailleurs eu un petit ouvrage qui avait un titre tout à fait éloquent, La guerre des métaux rares par Piton, et je crois que nous n'en sommes qu'au début et c'est un enjeu formidable. Ceci plaide aussi en matière de nucléaire pour vraiment forcer la recherche sur les nouvelles méthodes d'enrichissement du nucléaire, n'est-ce pas, et sur les nouvelles technologies plus smart qui me semblent extrêmement importantes pour notre propre indépendance énergétique. Expérience européenne, Sylvie, est-ce que tu penses qu'on va, sur toutes ces questions de sanctions, avoir un tel clivage entre, disons, l'Europe du Nord, l'Europe atlantique, l'Europe qui met en toute priorité la Russie. On va avoir un vrai clivage qui va au sein de l'Union européenne et qui va la condamner à l'immobilisme. Oui. Je crois, parce que si on peut avoir une unité, encore une fois, sur l'Ukraine et la Russie, parce qu'il y a un agresseur, un agressé, donc la cause est claire pour le moment, ça sera différent quand on parlera de la Chine, parce que je pense qu'une Union européenne, de notre point de vue, français, allemand, complètement ralliée aux Américains, est une Europe qui disparaît, qui n'a plus aucune autonomie. Donc on va se trouver confronté à cela, je ne sais pas quand, je ne sais pas quand cette guerre se terminera, ni comment elle se terminera, mais ça me paraît évident. Et donc c'est un autre élément d'affaiblissement de l'Union européenne. Et avec ce renversement, puisqu'on se souvient tous de ce qu'avait dit Emmanuel Macron de l'OTAN, qui était en état de mort cérébrale, le risque, c'est que l'Union européenne ne soit aussi. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a des élections prochainement aux États-Unis. Oui, et DeSantis, en plus, voudrait se retirer ou limiter, oui, la contribution américaine à l'aide à l'Ukraine. Oui, mais c'est pour ça que j'évoquais les conséquences de cette élection. Maintenant, si vous avez Trump, il appelle son ami Poutine et il fait la paix dans la journée. Un mot peut-être sur le yuan, effectivement, parce qu'en fait, les Russes avaient commencé à utiliser le yuan, parce que, par exemple, le projet Yamal, qui était la réalisation pétrolière avec Total, Technip ou autre, comme il y avait eu une...
je ne sais plus comment on dit en français, l'overcompliance des banques, en réalité, ça avait déjà été financé par des banques chinoises et par le fonds de la route de la soie. Et la politique russe vis-à-vis des pays du sud global, même si l'expression est assez récente, avait commencé déjà il y a quelques années, puisqu'en 2019, il y avait eu le sommet de Sotchi, qui était le premier sommet Afrique-Russie, et que mes homologues africains à Moscou m'avaient dit, mais ça a été un très grand succès, il est très populaire en Afrique, Sergueï Lavrov avait fait énormément de visites, et il tient aujourd'hui aussi des propos outranciers, mais sinon dans sa définition d'un monde multipolaire et autres, il est tout à fait audible dans cette région. Et par ailleurs, la Chine, bon, on connaît ce qu'on a appelé la Chine-Afrique, maintenant c'est une évidence, on connaît moins la présence africaine en Amérique latine, mais elle est très très dominante aussi. Chinoise, pardon. Elle est très dominante, ce qui fait que dans ce conflit qui va venir, qui sera ouvert entre les États-Unis et la Chine, ces pays-là auront à se prononcer. Aujourd'hui, le Brésil, que ce soit Lula ou Bolsonaro, n'avait pas voulu condamner la Russie. Bon, ils avaient changé leur vote pendant la dernière, lors du dernier vote, mais il n'empêche qu'ils appartiennent plutôt au Sud. Et je me souviens, ça fait longtemps qu'on parle de réforme du Conseil de sécurité, parce qu'il ne représente plus du tout la réalité du monde. Mais en même temps, alors d'abord, il y a un désaccord, pas seulement des grands, sur la réforme. Bon, la France, le Royaume-Uni sont favorables. Mais si on fait rentrer des pays, on fera rentrer en priorité des pays du Sud, puisqu'il doit y avoir le Brésil, l'Inde, et puis deux pays africains qui, de toute façon, sont tellement en désaccord qu'ils ne savent pas lesquels. Mais en tout cas, il y aura une réorientation du Conseil de sécurité vers plutôt les pays du Sud. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains vont continuer de s'y opposer. On dit beaucoup que l'orientation pro-chinoise de Poutine n'a pas été bien reçue, au moins au début. Alors, il y a quand même toute une tradition culturelle et philosophique du 19e contre la menace chinoise. Et le constat que la Sibérie est vide et que les Chinois y sont de plus en plus actifs, qu'est-ce que tu as sentiment. Alors d'abord, les peuples chinois et les peuples russes ne s'aiment pas, ne se comprennent pas et ne sont pas intéressés l'un par l'autre. Puis il y a le ressentiment de la période soviétique où les Chinois étaient convaincus qu'ils allaient recevoir une bombe nucléaire soviétique sur la tête. Donc il n'y a pas d'amour perdu entre les deux peuples, c'est un choix des dirigeants. Mais il y a une véritable entente entre les deux parce qu'ils ont la même vision du monde et également de la politique, c'est-à-dire un régime autoritaire. Des Russes m'avaient dit un jour, j'avais un oligarque ou disons un homme d'affaires, c'était pas un des grands, et qui me disait, mais finalement l'Union soviétique, c'était pas si mal. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Il dit, comme les Chinois, ils ont été plus malins que nous, ils ont maintenu l'autorité du Parti communiste chinois, et puis ils ont le capitalisme. Donc ils ont un petit peu cette même vision du monde. Ils ne veulent pas non plus d'ingérence dans leurs affaires. Donc l'entente est très bonne à haut niveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que les oligarques, enfin, qu'on continue d'appeler comme ça, mais les hommes d'affaires détestent les Chinois. Parce qu'ils ont l'impression que les Chinois veulent tout le temps les gruger. Et puis, ils ne s'entendent pas avec eux. Intellectuellement, ils ne se comprennent pas. Et ils me disaient, notre culture est européenne, et avec les sanctions, vous nous jetez dans les bras de la Chine. Et je pense qu'eux sont profondément peinés de cette situation, parce qu'ils se sentent européens. Et pour la Sibérie, c'est intéressant, parce que moi, je lisais toujours ça aussi quand je vivais à Paris. Et j'ai beaucoup voyagé dans l'extrême-orient russe. Et en plus de ça, Poutine, chaque année, enfin depuis 5 ans, 6 ans maintenant, a créé le pendant du Forum de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, et il essayait d'attirer les investissements chinois. Or, les Chinois n'avaient aucune envie d'aller dans l'extrême-orient.
Ils allaient dans la partie occidentale de la Russie, c'est-à-dire là où il y avait de la population, donc un marché et également de l'argent. Et il avait effectivement du mal. Et j'ai interrogé sur toute cette zone-là, parce que j'ai voyagé dans plusieurs villes, hein, à Rabarovsk, à Vladivostok, au Birobidjan, à Sakhaline, tous les spécialistes de la Chine, tous les gouverneurs, les responsables économiques, me disaient, mais non, il n'y a pas de Chinois ici. D'ailleurs, j'en ai jamais vu là-bas. Et l'ambassadeur de Chine que j'ai interrogé, parce que j'ai vraiment creusé le sujet quand j'y étais, me disait, mais de toute façon, les Chinois de Mandchourie, s'ils ont envie d'émigrer, ils ne vont pas aller en Sibérie, ils vont aller dans le sud. Donc je pense que c'est un peu un fantasme. Ça ne veut pas dire que les Russes ne font rien en Sibérie, mais plus dans la partie du lac Baïkal, qui est plus riche, plus... Mais l'Extrême-Orient en tant que tel, enfin, sauf si on a un réchauffement climatique qui permet de, effectivement de le développer. Et les Russes, ils le craignent moins maintenant. Je voudrais dire en complément, comme vous le disiez, les sanctions sont en train de rapprocher la Russie et la Chine, qui ont peut-être rien à voir dans l'absolu, deux pays qui ont peut-être rien à voir, mais qui commencent à converger. Et je pense que la Chine a des moyens d'utilisation de sanctions. Il y a des sanctions hard, je vous interdis d'exporter, puis il y a des sanctions soft. La sanction soft, elle est très simple aujourd'hui. La Chine les a là entre ses mains. Vous faites un prêt à un pays, un prêt relativement important qui permet au gouvernement de maintenir son standing de vie, de faire quelques investissements, de donner quelques prestations sociales. Et puis, bien évidemment, comme la croissance n'est pas au rendez-vous, la capacité de remboursement n'est pas au rendez-vous, n'est-ce pas? Donc le remboursement du prêt à la Chine devient problématique. Alors que peut faire la Chine? Ce qui serait la mauvaise pioche, la mauvaise décision, si je lui déclare la guerre pour récupérer mon argent. Bon, ça, c'est probablement pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va lui dire, c'est tu as plus de crédit, plus de fortune, donc on te laisse tomber. Ou sinon, si tu t'alignes, on renouvelle le prêt, voire on le double. Et je pense que c'est ça la politique qui est en train de mettre en place la Chine. Et bien évidemment, alors c'est une sanction soft, le renouvellement du crédit, et elle permet de discipliner un bloc qui va bien sûr bien au-delà de la Russie. Mais d'ici quelques temps, je pense que la Russie aura besoin de quelques prêts. C'est l'expérience du Sri Lanka. Absolument. En échange, un port militaire. C'est ça, voilà. Et avec les Indiens qui essayent de trouver une solution. Qui sont pris entre les deux, oui, puisque... Non, pardon, mais c'est là que l'Europe devrait intervenir davantage qu'elle le fait, parce que, alors encore une fois, mes homologues africains, aussi bien à Pékin qu'à Moscou, me disaient, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, c'est parce que vous êtes désintéressé de l'Afrique, que vous avez refusé de construire des infrastructures dont on avait besoin, que les Chinois sont venus. Parce que qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de l'aide à la gouvernance, c'est-à-dire qu'on leur expliquait, souvent on avait recours à des cabinets, d'ailleurs souvent anglo-saxons, où on leur demandait de cocher des cases sur la lutte contre la corruption, la parité, enfin tout un tas de sujets qui sont importants pour nous, mais qui n'étaient pas une priorité pour eux. Et le résultat, et ça ils nous l'ont dit très souvent, c'est les Africains qui le disaient, puis je l'ai entendu plus tard dans des colloques avec les Africains, en disant ça a permis un désenclavement de l'Afrique avec la construction d'aéroports, de voies ferrées. Alors peut-être avec quelques effets négatifs, on ne peut pas les nier non plus, mais au total, ils considéraient quand même qu'ils étaient gagnants. Et l'Union européenne commence à prendre conscience de ça, effectivement, avec retard, puisqu'elle a créé ce qu'on appelle le portail global, Global Gateway. C'est 300 milliards d'euros qui sont destinés à des infrastructures dans ces pays. Mais on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est pour lutter contre les routes de la soie chinoise. On pourrait leur dire que c'est parce qu'on se soucie de leur bien-être et de leur développement. Ça serait diplomatiquement plus subtil. Mais effectivement, l'Europe a un rôle à jouer là-dessus. Mais voilà, la prise de conscience a été très tardive. J'ai une autre question tout à fait différente. Les Polonais
Les pays baltes passent leur temps à nous dire « vous avez été naïfs, complices de Poutine, etc. » Mais quand tu étais à Londres, tu avais beaucoup d'oligarques. C'était Londongrad. Est-ce que les Anglais ont fait leur mea culpa ? J'ai jamais vu ça. Alors, il y avait effectivement Londongrad, et il y avait d'ailleurs une association qui dénonçait toutes les visas dorés, les maisons dorées. Donc, ils organisaient des tours touristiques, des biens mal acquis, effectivement, par les oligarques russes. Mais c'était pire que ça. C'est eux qui finançaient le parti Tory. Et Boris Johnson en avait d'ailleurs les intérêts directs. Il a nommé Lord un des Russes, fils d'un membre du KGB et qui détenait l'Evening Standard à Londres, qui n'était pas nécessairement d'ailleurs un mauvais homme, mais c'est vrai qu'il y a eu cette complicité-là. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment de l'affaire Skripal, les Britanniques ont appelé à des sanctions, mais ils refusaient encore de sanctionner les oligarques. Ils ont mis très très longtemps à le faire, évidemment, parce que ça leur rapportait beaucoup. Il y a toujours une forme d'hypocrisie. Il y a toujours, pas seulement des Britanniques, mais dire quand on a un intérêt immédiat, on sanctionne pas. C'est intéressant, par exemple, sur l'uranium. Les Américains continuent d'importer 20% de leur uranium. Et puis, même les Polonais en ont besoin parce que toutes les centrales ont été construites par les Russes qui sont excellents dans ce domaine. Ben, pour le moment, ce n'est pas sanctionné pour cette raison-là. Donc, voilà, il y a les valeurs, il y a tout ce qu'on veut. Et puis, il y a des intérêts directs. Est-ce que je peux juste insister sur un point ? Peut-être parce que je vois que leur tourne, c'est de me dire, au fond, les sanctions, est-ce qu'il faut les faire ou pas les faire ? J'ai bien entendu, Madame la Ministre, je vous ai bien entendu. Oui, les sanctions, c'est pas en soi mauvais. Hein, surtout, je ne crois pas qu'il faut tirer la conclusion que des sanctions économiques n'ont pas de sens. Mais c'est un peu comme toutes les bonnes choses. Un usage excessif des bonnes choses vous conduit à des problèmes de santé extrêmement graves. Et je pense qu'en matière de sanctions, nous nous heurtons à ce problème. Des sanctions utilisées dans des conditions raisonnables ne posent pas de problème majeur. Des sanctions utilisées de façon massive vont poser des problèmes extrêmement graves, y compris en politique interne de nos pays, pas simplement en Russie. En Russie, le tyran a le moyen de mettre au pas tout le monde. Nous n'avons pas tellement le moyen de mettre au pas tout le monde parce que les sanctions ont un coût autant pour les sanctionnants que pour les sanctionnés. Et nous savons, certes, nous avons des valeurs. Un des deux auteurs, deux économistes, vient de faire paraître un très joli petit ouvrage qui s'appelle « Le prix de nos valeurs ». Il s'agit de David Thémard et d'Augustin Landier. Et il montre très bien avec des enquêtes que les populations, le consommateur est tout à fait prêt à soutenir des valeurs, mais pas au-delà d'un certain montant. Si tout d'un coup le coût des sanctions devient excessif, parce qu'elles se multiplient, à ce moment-là, le premier opposant aux sanctions, eh bien, c'est l'électeur. Et au fond, DeSantis n'est jamais que l'expression de ce risque-là, je crois, aux États-Unis. Mais n'oublions pas, nous pourrions avoir le même problème en Europe. Donc, cette idée d'un quel est le bon usage, l'usage équilibré et des sanctions, je me semble être la vraie question. Alors, le vrai problème, c'est qu'une fois qu'on rentre dans la sanction, elle a un peu sa dynamique propre, dont il est extrêmement difficile de s'extraire. Oui, on avait beaucoup écrit et parlé de la lassitude des sanctions qui allaient arriver, menacer la cohésion européenne. Pour le moment, dans nos pays, compte tenu de l'enjeu moral et politique de l'Ukraine, elle ne s'est pas produite. Est-ce que je puis vous donner un chiffre quand même, oui, qui pourrait donner à réfléchir pour l'avenir ? Je suis d'accord pour le présent, mais pour l'avenir, si je regarde l'écart de production, l'écart de PIB tel qu'il a pu être estimé, je fais la différence entre ce que l'on prévoyait juste avant l'invasion
de l'Ukraine et ce qu'on prévoit aujourd'hui. Je prends les prévisions du FMI. La Russie, ça va être moins 6,8%. J'additionne 2022 et 2023. C'est moins une perte de PIB de l'ordre de 7%. Nous nous attendions à moins 10%. Nous avons eu moins 7%. Sur les pays européens et les économies avancées qui forment quand même le gros des économies sanctionnantes, on s'attendait à quelque chose entre moins 0,5% et moins 1%. Ben, nous sommes entre moins 2,5% et moins 3%. Donc, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Alors, il peut être supportable dans le cas présent. Mais attention, la multiplication des coûts de cette nature, elle représenterait un danger véritable politique. Si on prend pour hypothèse de départ le fait que la levée des sanctions va être politiquement extraordinairement difficile, ne serait-ce que parce que ça opposerait les Américains, les Européens et entre les Européens. Ça veut dire qu'on va continuer à subir en Europe le coût des sanctions. Alors, si je prends le cas ukrainien, et on se dit qu'il n'y a pas d'autres sanctions à prendre, que la Chine ne rentre pas dans la danse, etc., etc. Non, parce que quelque part, avec le temps, jouent justement ces phénomènes d'équilibre général économique, les économies s'adaptent, absorbent le choc et ont tendance à réduire le coût initial. En outre, normalement, les sanctions sont une fois pour toutes. Alors, naturellement, si je double les sanctions, si je fais un embargo total sur le commerce russe, ça va changer de nature et ça va multiplier par trois le coût. Mais si je reste en régime de croisière actuel, non, le coût, nous l'avons exposé et à maintenant, on va plutôt, dans les années ultérieures, avoir tendance progressivement à le réduire. Mais on a un certain nombre de pays très, disons, plus genre les Baltes, la Pologne, qui, au contraire, vont demander ou ont déjà commencé à demander la possibilité de renforcer les sanctions. Et donc, on va avoir un gros problème de ce point de vue. Alors là, c'est d'abord parce que les efforts qui vont être faits pour réduire l'effet des sanctions vont être plus que compensés par le choc négatif des sanctions supplémentaires. Et là, nous pouvons arriver à des niveaux beaucoup plus élevés. Alors, il faut voir que si la Russie n'a pas la possibilité de changer les courants commerciaux vers la Chine et vers des voisins proches, les coûts commenceraient aussi à devenir très élevés. Parce que si je multiplie par 3 7%, j'aboutis à 21%. Là, j'aboutis quand même à un choc qui est aussi extrêmement sensible avec des conséquences sur la capacité militaire et donc la dépendance de la Russie à l'égard de ses fournisseurs. Je crois que le moment est venu de donner la parole à la salle, de poser des questions. Madame Renoir voulait répondre. Merci beaucoup pour ces interventions. J'ai deux petites questions. Bon, la première, je pense qu'il faut quand même faire preuve un tout petit peu d'empathie pour les Ukrainiens. Il leur arrive ce qui est arrivé aux Tchèques à une certaine époque. Et je pense que le sujet des sanctions contre la Russie n'est pas un sujet totalement abstrait. Ça, c'est la petite remarque. Après, les deux questions, c'est sur la sécurité européenne. Moi, je suis persuadée que si on avait, ce que vous suggérez, pris aucune mesure économique contre la Russie. Ce qu'a fait Poutine pendant des années, c'est-à-dire essayer de diviser l'Europe, y compris à travers une ingérence étrangère dans les élections, dans la désinformation, etc., ça aurait été une fracture de l'Europe et ça aurait été une fracture géographique entre l'Est et l'Ouest. Donc moi, je considère que, quelles que soient les sanctions, bonnes, mauvaises, efficaces, etc., ça a été un moyen de cimenter l'Europe derrière la protection de la sécurité européenne. Alors moi, ma première question, c'est est-ce que vous pensez que la Russie est un problème grave ou peu grave ou inexistant du point de vue de la sécurité de l'Europe ? J'entends de l'Europe, Union européenne et aux abords de l'Europe. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est un pays dangereux ou pas du tout ?
Le deuxième, vous semblez imputer aux sanctions les difficultés économiques de l'Europe. Moi, pas du tout. Moi, j'impute les difficultés économiques de l'Europe, alors je vous pose la question de savoir si je me trompe, à l'Europe elle-même. C'est-à-dire, comme disait Sylvie Berman, à cette espèce d'angélisme qui consiste à sauver l'humanité. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a accepté, au titre de la sécurité d'approvisionnement énergétique érigée en principe constitutionnel, l'importation de gaz de schiste. Donc moi, je pose simplement la question de est-ce que l'Europe, et je ne pense pas que ce soit les sanctions contre la Russie, va enfin changer de logiciel pour précisément défendre ses intérêts, qu'il s'agisse du gaz de schiste, qu'il s'agisse des OGM, on importe les produits alimentaires OGM, ou qu'il s'agisse, par exemple, des technologies. Donc, sécurité européenne, et est-ce que la politique économique européenne n'est pas la véritable responsable du fait que l'Europe marque le pas? Je suis désolée d'avoir été longue, mais comme vous l'avez été aussi, je me suis permis un petit chouïa. Comme l'ancien ministre Védrine est arrivé. Bon, on va lui donner la parole. Avec Nicole. On arrive maintenant au terme de notre journée, particulièrement riche et intéressante et très diverse dans les différentes approches qu'on a eues de ce sujet central et d'actualité. Et je vais donc demander à nos deux derniers intervenants d'apporter un certain nombre de réflexions conclusives, même s'ils n'ont pas assisté à l'ensemble des prestations précédentes, mais ils ont peut-être des idées qui nous permettront de boucler, au moins de faire des ouvertures sur d'autres perspectives. Mais en tout cas, le moment est venu d'apporter un certain nombre d'observations d'ordre général sur cette question des sanctions. Et je vais d'abord demander à Nicole Gnesotto de commencer et ensuite à Hubert Védrine. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Je ne suis ni diplomate, ni ancienne diplomate, ni économiste. Je représente l'Institut Jacques Delors et peut-être le CAP d'autrefois. C'est-à-dire une réflexion à peu près indépendante sur des sujets qui sont au contraire très dépendants les uns des autres. Et donc, je vais faire deux types de réflexions. Un sur l'efficacité des sanctions, la relative efficacité des sanctions en période de mondialisation, et un deuxième point sur les conséquences générales des sanctions et de la guerre en Ukraine, sur l'ordre international. Sur les sanctions, premièrement,
On a beaucoup parlé, je n'étais pas là ce matin, mais j'étais là cet après-midi, d'exemples historiques, l'Irak, la Libye, le Soudan, l'Iran, je crois. Mais aujourd'hui, le cas de l'Ukraine est totalement différent, puisque c'est la première fois, je crois, qu'on a des sanctions appliquées dans une époque où la mondialisation fonctionne, je dirais, à plein régime. Et je crois que ça limite fortement l'efficacité des sanctions, d'une part, de deux façons. D'une part, parce que effectivement, les stratégies de contournement sont extrêmement faciles quand le commerce est mondial. Les sanctions occidentales laissent ouvertes l'ensemble du commerce qui n'est pas occidental pour que la Russie remplace une partie des biens qu'elle importait de l'Occident. Et donc, les possibilités de contournement en période de mondialisation sont beaucoup plus vastes que lors de la guerre en Irak, par exemple, de 2003, où on avait encore une supériorité écrasante du commerce occidental dans l'ensemble du commerce mondial. Mais le deuxième point, surtout, me paraît-il, qui limite l'efficacité des sanctions dans la mondialisation, c'est ce que j'appellerais plutôt l'effet boomerang négatif des sanctions sur ceux qui les émettent. Alors, on a parlé, je crois, effectivement, des populations européennes qui risquaient d'être peut-être lassées un jour du coût économique des sanctions, en particulier sur les prix de l'énergie. Pour l'instant, effectivement, moi, je suis de très, très près, pour d'autres raisons, les sondages des opinions publiques sur la guerre en Ukraine depuis le début de la guerre. Et effectivement, l'adhésion reste à 70% pratiquement dans tous les pays, sauf en Italie, où ça baisse assez sensiblement. Mais moi, ce que je remarque surtout, c'est l'effet boomerang des sanctions sur l'ensemble des pays qui ne sont pas concernés par les sanctions, c'est-à-dire qui ne sont ni victimes ni émetteurs. Et c'est là où on peut effectivement voir une très grande limite à cette efficacité. Premièrement, les pays du Sud, et là Sylvie Berman l'a très bien dit, les pays du Sud nous considèrent responsables du risque alimentaire qu'ils sont en train de subir à cause des sanctions. Alors on peut dire qu'ils ont tort, Madame la Ministre, où est-ce qu'elle est, Madame la Ministre ? Pardon. Mais c'est comme ça qu'ils perçoivent la chose. Et ils perçoivent ce Sud qu'on essaye absolument, non pas de recoloniser, mais de reconvertir, encore une fois, en allant dans un échec assuré. Ce Sud considère que les sanctions occidentales sont responsables du risque alimentaire qu'ils subissent, eux. Et quand Poutine, au prix de grandes négociations, accepte que l'ONU puisse laisser passer, que les bateaux de l'ONU ou du PNUD puissent passer et remporter le blé et les céréales ukrainiennes, eh bien c'est presque Russie c'est presque la Russie qu'ils sont en train de remercier parce qu'ils peuvent comme cela éviter la disette. Donc l'effet boomerang sur le Sud est quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu, mais qui se retourne contre l'Occident. Et deuxième effet boomerang, qui moi me paraît absolument phénoménal, c'est que grâce aux sanctions, la Chine est devenue aujourd'hui une puissance européenne légitime. La Chine était une puissance asiatique, elle était une puissance mondiale parce qu'elle était à l'ONU au nucléaire, elle est devenue aujourd'hui une puissance européenne incontournable. Il n'y aura pas de solution diplomatique de la guerre en Ukraine sans la participation de la Chine, alors qu'on n'est même pas sûr qu'il y aura un siège pour l'Union européenne. Et ça, c'est un effet boomerang géopolitique inattendu des sanctions. Et ma conclusion de ces deux points, c'est que, premièrement, les sanctions ne marchent vraiment que sur des biens sur lesquels l'Occident a encore le monopole, les biens de haute technologie, par exemple. Et là, on voit bien que les Russes sont très, très embêtés sur leur industrie automobile, leur aéronautique, etc. Et deuxièmement, quand on fait des sanctions, eh bien, il ne faut pas le faire avec une approche purement commerciale. Là, il faut la géopolitisation, si je puis dire, des sanctions est devenue un must pour l'ensemble des diplomaties. Et je dis ceci surtout pour la diplomatie européenne qui continue de voir dans les sanctions un acte commercial alors que ça doit être un acte géopolitique majeur. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point sur les conséquences de tout ça sur le système international, la première
question que je voudrais poser, j'en ai deux. Hein. La première question, c'est, puisqu'on est dans une période révolutionnaire en France, ou en tout cas pré-révolutionnaire en France, et qu'il est bientôt le mois de mai, la question que je voulais poser, c'est est-ce que sous les sanctions, la guerre, comme on disait autrefois, sous les pavés, la plage, est-ce que là, on a sous les sanctions, la guerre? Alors, je trouve que c'est... Bon, d'abord, la réponse est difficile, mais la plupart... Des experts ou des responsables qui s'occupent des sanctions considèrent au contraire que les sanctions évitent la guerre, que ce n'est pas le premier pas vers un engrenage, que c'est au contraire une forme de d'éviction de la guerre. Moi, je trouve que sur l'Ukraine, en tout cas, on est dans une situation presque inverse, en tout cas dans le discours occidental. Je vois par exemple le discours français aujourd'hui, je crois que c'est cet après-midi, notre président de la République, que je vénère, reçoit les grands directeurs de l'industrie d'armement pour les préparer à une industrie de guerre, à une économie de guerre. Le secrétaire général de l'OTAN, il y a 3 semaines, a fait un grand discours sur l'économie de guerre. Notre ministre de la Défense, pareil, nous sommes rentrés dans une économie de guerre. Moi, je trouve que les mots, malgré tout, ont un sens. Une économie de guerre, ce n'est pas ça. Ce sont des réquisitions, c'est des productions dirigées par l'État, c'est la direction de toute l'économie vers l'effort de guerre. On n'en est pas là. Alors, pourquoi utiliser ce langage, de la part de gens relativement cultivés et compétents, qui laissent à penser que les sanctions nous préparent à la guerre? Et quand on voit d'ailleurs au niveau de notre politique de défense, la façon, y compris dont notre chef d'état-major présente le fait que nous sommes aujourd'hui dans une lacune effrayante, c'est-à-dire que nous sommes incapables de mener des combats de haute intensité, comme si c'était ça l'avenir de la politique de défense française, je trouve que là encore, on est dans une espèce de brouillard rhétorique qui laisse penser que les sanctions ne sont pas un substitut à la guerre, mais à une sorte de préparation à un engrenage militaire. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser faire ni laisser passer. Et mon dernier point sur l'ordre, non pas sur l'ordre ukrainien lui-même, mais sur l'ordre européen, il me semble que j'avais... Oui, non, sur le problème, sur l'Ukraine, pardon, pour finir sur l'Ukraine, il faut sortir de cette philosophie de l'engrenage, sanctions, peut-être guerre. Moi, je crois que la guerre en Ukraine n'est absolument pas le modèle des guerres futures, mais absolument pas. La Russie n'attaquera jamais un pays comme la France ou un pays membre de l'OTAN, tout simplement parce qu'on est membre de l'OTAN et qu'il y a la dissuasion nucléaire. Non, nous dire que c'est le modèle des guerres futures, à mon avis, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est très étrange comme réflexion. Et cela m'amène à penser vraiment qu'il y a un endoctrinement aujourd'hui que je ne comprends pas. Deuxième et dernière réflexion sur le système international. Là, il y a deux solutions. Soit on considère que la guerre en Ukraine, avec les sanctions qui vont avec, est la première étape d'une guerre idéologique majeure entre les démocraties et les régimes autoritaires, ce qui est aujourd'hui la position américaine. On est tous ensemble, embrassons-nous Folleville, et on va tous, nous les bonnes démocraties, contre les mauvais régimes autoritaires. Et ça, c'est la guerre, l'affrontement idéologique de demain, la Pologne étant en Europe le champion de cette nouvelle lecture de la guerre en Ukraine. Je fais une parenthèse quand même sur la Pologne, parce que moi j'en ai assez d'entendre dire que la Pologne est le centre de la nouvelle géopolitique mondiale et que la Pologne est vraiment le champion de la lutte contre la démocratie. La Pologne est peut-être la championne de la lutte contre la démocratie en Ukraine, mais elle est la championne, elle est le fossoyeur de la démocratie en Pologne. Il faut quand même le dire, elle n'a aucune légitimité au leadership européen. Je ferme la parenthèse. Mais donc, soit on considère ça, l'Ouest contre le reste, comme disait Niall Ferguson, les démocraties contre le totalitarisme, etc. Et à ce moment-là, on est sûr d'aller à l'échec. Parce que c'est difficile pour les Européens de refuser et c'est impossible pour le Sud d'accepter. Et donc, les Américains, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas que l'échec est contenu dans cette
bataille idéologique qu'ils sont en train de mener. Ils auront une Europe contrainte et divisée et ils n'auront pas le Sud qu'ils tentent de séduire. Donc ça, à mon avis, c'est la mauvaise solution. Soit on considère que c'est une guerre pour le droit international. Un pays en envahit un autre, on refait comme en 91 éventuellement, eh bien, on le dit non, c'est pas possible. Le droit doit être supérieur à la force. Donc on juridise le conflit en Ukraine, et là, on est sûr d'avoir avec nous la Chine, que l'on a d'ailleurs avec nous. Les 10 principes chinois du plan de paix sont ceux des Nations Unies, en tout cas pour le respect de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale des États. Et puis, on a tout le Sud avec nous. On a tout le Sud avec nous, dont les frontières sont tellement aléatoires qu'ils seront trop contents. Je vois Jean-Félix Pagano, pour une fois, on est d'accord, alors qu'on n'a jamais été d'accord depuis 30 ans qu'on se connaît. Mais donc voilà. Et donc, si on choisit cette deuxième approche, et à mon avis, pour l'Union européenne, elle devrait choisir cette dernière approche parfaitement juridique, alors on est dans une guerre en Ukraine, dans une série de sanctions en Ukraine qui sont en rapport avec le respect du droit international et non pas avec la grande bataille idéologique du 21e siècle, voire du 22e siècle. Merci. Bon, d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à, non pas à conclure, parce que je n'ai assisté qu'à la dernière heure, je ne vais pas conclure une journée entière. J'en profite pour vous féliciter pour l'organisation, pour le sujet, pour les intervenants. Enfin, ça me paraît remarquable. Et je pense que ceux qui ont été là toute la journée, je ne sais pas si tout le monde était là toute la journée, enfin, c'est remarquable. Il y a beaucoup de colloques où il y a des hauts et des bas, ou beaucoup de moments creux. Et les sujets étaient quand même choisis de façon très, très intense. Bon, donc je ne vais pas conclure, je ne vais pas résumer, moins que vous. Je vais faire part de quelques réflexions sur le sujet, très simples, très décantées, qui sont liées à l'expérience et la réflexion sur longtemps par rapport à ça. Et je ne parle pas tellement de l'actualité, je ne suis pas centré sur l'affaire d'Ukraine, en fait. Donc j'ai pris la vraie question des sanctions. Et je vais dire des choses assez simples. D'abord, ça serait intéressant, mais dans un colloque plus long, d'aller regarder du côté de l'histoire la pratique des proscriptions, du bannissement, de l'excommunication, etc. Qui avait le pouvoir d'excommunier qui ? Bon, il y a toute une sorte de je ne sais pas si c'est un message historique, parce que c'est très compliqué, mais c'est très intéressant aussi, les débats de l'époque. Par exemple, quand il y a le pape contre l'empereur, bon, etc. Parce que ça nous ramène déjà à la question du pouvoir. Qu'est-ce qu'est le pouvoir d'excommunier ? Est-ce que ça marche ou pas ? Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'est le pouvoir de sanctionner ? Bon, si on croit vraiment, comme certainement beaucoup d'entre vous, au droit international, moi je pense que c'est plus une promesse et une espérance qu'une réalité dans la plupart des cas, mais si on croit au droit international, les seules sanctions légitimes sont celles du Conseil de sécurité. Point. Comme c'était celle de la SDN autrefois. Tout le monde connaît le chapitre 7, c'est les seuls. C'est les seuls. Alors je sais bien que les Occidentaux qui sont ventriloques sur ce point, ils disent communauté internationale, c'est la communauté occidentale. En fait. Bon. Mais ça fait tellement longtemps, et l'Occident a tellement gagné depuis tellement longtemps, même si c'est remis en cause maintenant, que cette remarque basique n'est même plus présente dans les esprits. Et donc il y a d'immenses débats très intéressants entre juristes, diplomates, militaires, politiques, etc., etc., sur la légitimité. Quand il n'y a pas vraiment la légitimité stricte, on fait comme si elle était là, parce que c'est légal d'une certaine façon, et l'horreur des événements justifie que. Et on se lance dans des réflexions pour essayer de délégitimer la présence de tel ou tel pays qui est membre permanent. On dit, par exemple, est-ce que la Russie était vraiment fondée à hériter du siège de l'URSS ? Vous voyez, ce genre de débat. Comme les Soviétiques pouvaient contester le fait que la France ait un siège grâce à Churchill, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand il y a un des camps en présence qui n'est pas sûr de la légitimité vraie en droit international et qui bricole une sorte de légalité ou de légitimité. Puis le discours politique mélange tout. Surtout qu'on a affaire à
démocraties dans lesquelles il y a de moins en moins de leaders et de plus en plus de followers, je parle des dirigeants entre guillemets, donc ils sont obligés de lâcher quelque chose à l'opinion en fait. Et là, j'ai bien entendu la distinction de Nicole sur les sanctions qui ne sont pas le substitut à la guerre mais qui peuvent y conduire. Mais pour la plupart des dirigeants occidentaux, souvent devant des crises plus ou moins aiguës, voire des guerres atroces comme celle d'Ukraine, il faut bien faire quelque chose quand même. On ne peut pas ne rien faire. Et donc on sanctionne. Parce que même s'il y a des tas d'effets gênants, c'est moins pire qu'entrer en guerre, ce que les parlements ne voteraient pas. Donc il y a quand même une... Tout c'est un peu brumeux, mais il y a quand même, pour beaucoup de décideurs, beaucoup de sanctionneurs, j'ai entendu la distinction tout à l'heure, l'idée que c'est un... on n'a pas le choix, mais c'est moins pire que le reste, il vaut mieux s'en tenir à ça. Mais tous ces débats à l'intérieur de des Occidentaux, notamment, sur la légitimité, l'égalité, l'opportunité, efficacité, à quoi on la mesure en plus? Est-ce que ça peut nuire? Certainement, ça peut nuire. Est-ce que ça ne nuit qu'à ceux qui sont sanctionnés? Évidemment non. Il y a un effet retour, bien sûr, qu'on peut peser. Dans certains cas, ça nuit encore plus aux sanctionneurs qu'aux sanctionnés, mais pas tout le temps non plus. Est-ce qu'on atteint un autre objectif? Est-ce qu'il est symbolique et à usage interne, comme je l'ai indiqué tout à l'heure? Donc il y a tout le débat sur l'efficacité, vous trouverez des tonnes et des tonnes d'écrits sur ce truc. Mais tout ça, c'est à l'intérieur d'une partie de l'histoire, où c'est les Occidentaux qui déterminent en fait. Et tant que les Occidentaux gardent quand même le leadership, en dépit des mouvements dans le monde, ils arriveront toujours, et les États-Unis en partie, ils arriveront toujours à dire que ce qui a été fait était légitime. Et donc tous les débats sur l'égalité, légitimité sont balayés par ça. On l'a fait, on devait le faire, on ne pouvait pas faire autrement. Vous noterez que, entre parenthèses et entre temps, à cause des horreurs en Ukraine, la discussion qu'avaient essayé de lancer quelques Français, notamment sur le caractère scandaleux des sanctions extraterritoriales des Américains, ça a disparu. Au profit de la relégitimation des sanctions américaines ou européennes présentées comme étant internationales. Donc il y a un débat depuis quelques années, il y a quelques rares Français, même eu des rapports sur ce point, et on voyait bien que dans la plupart des cas, les sanctions décidées, enfin, votées par le Sénat des États-Unis, que le président suit plus ou moins, ça dépend des cas, étaient inspirées par des sénateurs connus, inspirées même par des lobbies connus, et que sous prétexte de lutte contre le terrorisme ou la corruption ou que sais-je, c'était pour éliminer des concurrents des États-Unis en pratique. Ce débat a monté il y a quelques années. Ça n'a abouti à rien, naturellement, puisqu'il aurait fallu que les Européens soient assez vaillants et la Commission assez courageuse pour oser adopter un dispositif de ce genre pour menacer d'énormes intérêts américains, non pas pour faire la guerre, c'est idiot, mais pour que ça se calme. Et pour qu'on recommence à discuter sur une base différente. On n'a jamais réussi, en fait. Et je ne parle même pas de l'époque Trump, puisqu'il y a des sanctions depuis des dizaines d'années aux États-Unis. Mais vous noterez que ce débat a disparu. Vous ne l'entendez plus dans la phase manichéenne actuelle. Plus du tout. Donc on est dans la phase où ça ne se discute même pas, la légitimité. L'efficacité, un peu. Bon, donc ça, c'est ma remarque principale avec le recul. Quand j'étais ministre, il y a donc un certain temps, j'avais demandé au service, peut-être certains d'entre vous, de calculer, de faire le recensement des sanctions proposées par le Sénat américain, que les présidents ne suivaient pas automatiquement. Enfin, il y avait une liste. Ça aboutissait à sanctionner les deux tiers de l'humanité. C'était ça le résultat de la démarche américaine. Bon, anecdote. En tout cas, mon idée très simple, c'est que tant que les États-Unis, entraînant l'Occident, sont dominants, ils arriveront toujours à expliquer, à gagner le narratif. Et on a eu raison de le faire parce que, avec des arguments moraux, politiques, juridiques, mélangés. Bon. Alors, normalement, on n'est plus tout à fait dans cette situation. Je rappelle que ça fait plus de 20 ans que je dis régulièrement, les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance, le monopole du pouvoir de décider, de sanctionner, de juger, de bombarder, etc., etc. Non plus le monopole. Ça fait une vingtaine d'années que Kishore Mahbubani, le Singapourien que beaucoup d'entre vous connaissent, me répond en me disant « Cher ami, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. » Vous savez, la fameuse parenthèse de 500 ans, en gros. 500 ans. Alors, je ne suis pas du tout sur la ligne de la parenthèse. Je ne reprends pas la rhétorique des Chinois et de quelques autres Asiatiques
Mais il faut savoir que ce débat existe, et ça envoie d'ailleurs à plusieurs des remarques de Nicole ou des débats avant. Il y a beaucoup, une partie de gens dans le monde qui raisonnent comme ça. Sinon, vous n'auriez pas eu aux Nations Unies, il y a un an et à nouveau maintenant, 40 pays environ, je crois, représentant en gros les deux tiers de l'humanité en termes démographiques, qui n'ont pas voulu prendre parti. Donc l'agression de Poutine est une évidence. Mais les pays qui ont soutenu la Russie sont peu nombreux, même pas 10, je crois. Ceux qui ont condamné, c'est 140. Ceux qui n'ont pas voulu prendre parti, c'est 40. Ils ne sont pas pour la guerre. Peut-être qu'ils détestent Poutine, peut-être qu'ils n'aiment pas la Russie, mais ils ne veulent pas revenir dans le camp des Occidentaux. L'histoire est là. On ne va pas effacer les siècles passés. Ce n'est pas le Sud à l'ancienne, c'est du nouveau non-aligné, en fait, même s'ils n'ont pas de leader comparable au leader des alignés de l'époque Bandung. Donc j'arrive à la conclusion, qui est l'air défaitiste comme ça, que en fait, on n'arrivera pas à ramener la machine à sanctionner sur le terrain de la légitimité vraie. Donc ça dépend de quoi. Ça durera comme ça, à mon avis, jusqu'à ce que la Chine soit assez puissante pour nous sanctionner. Peut-être qu'ils n'arriveront jamais. Vous avez noté d'ailleurs que par une sorte de fatalisme démographique depuis 15 ans, beaucoup d'organismes américains disaient qu'ils vont devenir numéro un. C'est insupportable, c'est choquant, c'est dangereux, mais il y a là 1 milliard 300 millions de gars qui travaillent jour et nuit, donc ils vont devenir numéro un, c'est inévitable. On l'entendait depuis longtemps. Depuis les péripéties, pandémies et autres, les premiers immobiliers, enfin plein de sujets en Chine, il y a une autre musique des mêmes organismes, y compris américains, qui disent en fait c'est pas sûr, on avait dit 2030 mais c'est pas sûr, 2035, 40, peut-être jamais d'ailleurs, ils vont peut-être jamais y arriver. Parce que nous les Américains, badaboum, après les avoir mis dans l'OMC pour les rendre démocratiques, raisonnement débile, il y a quand même eu le tournant d'Obama, le pivot, puis la guerre commerciale de Trump, puis la guerre technologique de Biden. Donc maintenant, ils se sont réenhardis, ils disent, on arrivera toujours à avoir 10 ans d'avance sur les technologies les plus avancées. Donc ils ne seront jamais numéro un. Donc peut-être que mon hypothèse ne repose sur rien. Si c'est le cas, ben, l'Occident continuera à imposer les sanctions que jugera nécessaire de décider, avec 1000 disputes internes, bien sûr. Sur les modalités, les objectifs, on sanctionne qui, comment, est-ce qu'on sort des sanctions un jour, est-ce que c'est automatique ou pas, est-ce qu'on les revote, il y a 1000 sujets que tout le monde connaît ici. Mais si en revanche, la Chine un jour devient assez puissante, pas forcément pour attaquer Taïwan, mais pour oser nous sanctionner, si elle arrive à contrôler une part suffisante de son système et du système donc non aligné, encore une fois, c'est pas sûr, mais je prends l'hypothèse exprès, alors là, toute la littérature sur les sanctions s'effondre d'un coup. Terminé. Il reste le Conseil de sécurité. Il faut espérer qu'on soit encore dedans. Bon. Conseil de sécurité. Et là, on a intérêt à rebétonner la légitimité des décisions. Parce que toutes les extrapolations, c'est légitime parce que c'est nous, c'est légal parce qu'on l'a décidé, et puis c'est justifié en raison de l'horreur du sujet, blablabla, blablabla, tout ça disparaît. Donc si jamais on est devant cette situation, il faudra relégitimer, et il n'y aura plus de sanctions internationales vraies et que décidées par le Conseil de sécurité. Ou alors, ce sera la bataille des sanctions, comme c'est déjà un peu le cas, mais elles ne seront plus légitimes ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça se ramène au rapport de force, en fait. Un point de force, qui aura le pouvoir de sanctionner plus durement que celui d'en face, avec moins d'effets collatéraux sur lui. Donc, rapport de force. Et c'est là où l'affaire des pays que vous appeliez Sud est très importante, très importante. Et moi aussi, je ne crois pas qu'on va les enrôler en disant que l'horrible guerre en Ukraine, c'est la guerre des démocraties en général, contre les dictatures en général, sinon l'Inde serait avec nous. C'est pas le cas. J'ai eu un débat avec Kasparov il y a quelques jours à New York là-dessus. Le débat théorique, c'était le malaise dans la démocratie. Il y a énormément de problèmes dans la démocratie. Dans la vague populiste, qui est le résultat de l'effondrement de la croyance par les classes moyennes dans la mondialisation et dans l'Europe, ça n'a pas été inventé par Poutine. Donc il y a d'énormes problèmes. Plus le refus de la démocratie représentative,
plus le drame numérique, etc., etc., etc. Mais Kasparov dit, alors lui, il est sur la guerre mondiale contre Poutine, il est sur une position polonaise au carré, on va dire. Et peut-être que si on est un opposant russe, c'est normal qu'on raisonne comme ça, hein, bien sûr. Lui, il dit, mais il n'y a pas de problème dans la démocratie. Dès qu'on aura gagné en Ukraine et terrassé la Russie, ce qui va au-delà, il n'y a plus de problème. Parce qu'on sera rentré dans de nouvelles périodes. C'est une sorte de, disons, de Fukuyama armée, vous voyez. C'est pas bis, c'est Fukuyama armée, par un point ça. Bon, moi, je ne crois pas que ça se présente comme ça, mais c'est pour. Je reviens à mon idée simple. Tant que l'Occident est maître du jeu en dépit des batailles énormes entre occidentaux, on arrivera toujours à habiller la question. À ce moment-là, il faudrait se demander si dans l'usage exagéré des sanctions, on ne peut pas le modérer, le reconcentrer, le limiter dans le temps. J'ai mené une petite bataille à mon époque pour qu'on n'adopte jamais des sanctions perpétuelles. Parce que s'il fallait les reconduire, à chaque fois, on dépend du plus maximaliste du moment, en fait. Mais ça n'a pas... Enfin, on a voté des choses dans ce genre-là, mais qui ne fonctionnent pas, parce que là, le poids de l'opinion, il faut qu'on les reconduise automatiquement. Si on voulait que les sanctions ne soient pas une fuite en avant, avec une sorte d'hubris des sanctions, une sorte d'ivresse des sanctions, si on voulait que ça redevienne un instrument pertinent de vraie politique étrangère, il faut qu'on ait le contrôle du contenu de la cible et de la durée aussi, de la durée. Et qu'au sein du Conseil de sécurité, dans l'idéal, mais aussi du Conseil européen, on retrouve la décision. Donc il faudrait sortir des sanctions perpétuelles, etc., etc. Bon, voilà l'essentiel de ce que j'ai, de mes réflexions sur le sujet. Je crois qu'on aurait intérêt à réfléchir quelle est la part vraiment justifiée, vraiment légitime, vraiment utile, vraiment efficace dans le gigantesque arsenal de sanctions votées à tous les niveaux depuis 20 ou 30 ans pour se préparer aux évolutions. Je terminerai par ça. Enfin, vous avez compris, je ne vais pas me répéter 10 fois. Un échange quand Colin Powell, qui était un brave homme, hein, qui était honnête, qui était... Il s'est fait avoir dans l'histoire des fioles, mais il était de bonne foi, je crois. Colin Powell, la première fois que je le vois, après le changement de président aux États-Unis, à l'ordre du jour, le débat, c'était les smart sanctions. Et vous vous rappelez que je m'étais disputé avec Albright sur les sanctions. Elle était incroyablement cruelle, impitoyable sur les sanctions, dont on montrait que ça avait des conséquences effrayantes sur les enfants irakiens. Elle s'en foutait. Bon. Et donc, il y avait quand même un débat sur smart sanctions. Et je dis au brave général Powell, je dis, mais si on parle de sanctions smart, c'est que les actuels sont idiotes. Sinon, pourquoi on parlerait des smart sanctions? Donc j'ajoute le smart à mes commentaires sur la redéfinition plus rigoureuse de la légitimité des décisions. Voilà mes réflexions. Merci beaucoup pour ces propos conclusifs l'un et l'autre. C'est formidable, on arrive exactement à l'heure prévue pour mettre un terme à notre colloque. Un colloque qui a été pendant toute cette journée très intéressant, qui a abordé beaucoup de sujets les plus divers. D'abord, je voudrais à nouveau, comme on l'a fait au début, remercier la Fondation Polignac-Singer de nous avoir invités ici. Féliciter notre président de la Société diplomatique d'avoir assisté, d'avoir introduit et assisté à l'ensemble de notre colloque et à tous les participants d'avoir participé très activement à ça et surtout à tous les intervenants qui, pendant toute la journée, sont venus exposer les différents aspects de cette question qui est très opportune aujourd'hui pour des raisons évidentes, très opportune de façon générale parce que pour nous, beaucoup d'anciens diplomates ici, c'est quand même un paradoxe de voir cet instrument qui, comme la guerre, est plutôt la preuve d'un échec de la diplomatie, transformé ces derniers temps en instrument central des relations internationales.
Paradoxe aussi, on l'a vu, c'était particulièrement intéressant pour moi ce matin, parce que c'était un aspect que je comprenais assez mal, combien des décisions qui sont prises par des États, qui sont décidées par des États, qui sont réglementées par des États, sont en réalité de plus en plus mises en œuvre par les entreprises. Ce sont les entreprises qui portent le fardeau de la mise en œuvre des sanctions, et dans un cadre juridique très mouvant, très délicat pour elle. Et puis, le sujet qu'on a abordé plus tôt cet après-midi, les désordres économiques incroyables qu'introduisent les sanctions, les modifications des choses, qui permettent en réalité de rebattre les cartes, comme on l'a exposé à l'instant et plus tôt dans l'après-midi, en termes de géopolitique. Ces sanctions sur l'Ukraine vont rebattre les cartes de façon considérable entre ne serait-ce que l'Europe et les États-Unis, la Russie et la Chine, et le monde va être singulièrement différent dans les années qui viennent. Tout ceci nous ramène à la question première, à savoir, on a progressivement développé cet instrument paradoxal des sanctions, mais on a également exposé tous les inconvénients que ça présente, tous les contre-effets, et en même temps, on n'a pas beaucoup inventé une alternative jusqu'à présent. Et voilà, ce n'est pas vraiment un propos conclusif, c'est plutôt une interrogation finale, mais je voudrais vous remercier une fois encore de votre présence assidue toute la journée.